Feuilleter la presse. En marque, si tu cherches un nouveau rédacteur. Sait, en tout cas, que tu veux faire Danser avec les stars. Si Stéphane ne le voit pas, là, je ne sais pas quoi faire. Hein. Mais en fait, ça a été une question qui m'a été posée depuis le début, puisque j'avais dit lors de mon discours que j'avais fait 7 ans de danse de salon. Et c'est parti de ça, où est-ce qu'on m'a dit, mais danse de salon, danse avec les stars. Et donc, du coup, est-ce que ça t'intéresserait? Mais pourquoi pas? Toute opportunité est bonne à prendre. Et je pense que ça pourrait être vraiment très chouette. En plus, c'est une émission que je regarde depuis très jeune. Donc, oui, effectivement. Mais est-ce que c'est faire Danse avec les stars pour le plaisir de la danse et faire Danse avec les stars, ou c'est le plaisir de faire de la télé, si par exemple on vous proposait Masked Singer ou une autre émission? Non, c'est vraiment le plaisir de danser en ayant fait 7 ans de danse de salon, de pouvoir faire de la danse de salon, et parce que c'est une émission que je regardais depuis très jeune. Donc après Miss France, pas de télé? Enfin, vous, c'est pas ce que vous envisagez? Pourquoi pas? Après, tout à l'heure, on posait la question, télé ou radio, dans le tac au tac. Voilà, dans le tac au tac. Et j'ai répondu radio, parce que je pense que pour... Et d'ailleurs, cet après-midi, on me l'a dit, le directeur de RTL m'a soumis ce commentaire-là, en me disant qu'une personne qui était bien assise à la télé faisait déjà de la radio auparavant. Ouais. Et généralement, c'est une personne qui est très à l'aise à la radio qui peut ensuite... Exactement. Voilà, c'était à peu près dit comme ça, c'était pas tout à fait... Oui, mais il y a une logique, hein, radio. Voilà. Radio télé. Parce qu'on rappelle qu'à la base, t'étais à l'IAE, en master. Oui, tout à fait. Donc, rien à voir avec les médias. Tu voulais faire quoi? Un master de management des établissements et structures gérontologiques, donc s'occuper des personnes âgées. Ça s'est mis à côté? C'est pas complètement mis de côté, puisque du coup j'étais à la fin de mon master 2. Là, le premier semestre a été partiellement validé, puisque forcément je l'ai arrêté en cours de route. Mais il me reste en soi 6 mois pour terminer mon master 2. Donc, t'aviseras sur le moment. C'est ça. Mais je pense que je le terminerai. Ce serait trop dommage de ne pas le terminer.